moving average, convergent and divergent indicator, MACD, is calculated by subtracting the value of 8.075, which is 26 days, nous servons même avec 30 days, exponential moving average from 8.15, which is 12 days. In the dotted exponential moving average, you're a little the trigger line. Is automatically displayed on top of the MACD indicator line. Ça c'est définition MACD, c'est ça anglais à bas. Ligne rouge là lui représente the signal line, 9-day period, the signal line. Et ligne bleue, c'est ligne même qui représente 12 avec 26, nous même nous servons avec, nous ajoutons quelques jours sur eux qui c'est 15-30. Automatiquement, ligne bleue elle a croisé là. Automatiquement, croisé. Ligne rouge là, c'est le lead nous pour que nous capables d'entrer dans trade là pour nous acheter. L'elle fait ça, nous go long. Ensuite, automatiquement, nous avons ligne bleue à la, ligne croisée, ligne rouge là, ligne bleue à la, ligne croisée ou ligne rouge là, qui c'est trigger line là, automatiquement, les dinos, les leur pour sortir dans le trade là. Et si vous suivez livré ou sortir dans le trade là, vous pouvez voir, il dégringole, il descend, il descend, il descend, pour jusqu'à ce que lui nous reprenne direction où elle a. Et là, les vignes après reprendre direction encore automatiquement où est ligne bleue, les croiser ligne rouge là, là c'est là ça pour qu'on capable entrer dans le trade là. Où est les croiser signal line là, qui c'est 9 days, qui représente ma chair, automatiquement là ça ou entrer dans le trade là. Et sous suivre les réellement entrer là-dedans, qui sont passés là avec graph là monté, li a monté, puis a monté, l'a monté. Jusqu'à ce qu'il est venu, est-ce que nous avons venu dans la direction là? Non, moi pas venu dans la direction ça. Pour qui ça? Parce que il prend comme bon signal pour que moi capable de vendre. Ça que moi a fait, m'a quitté le monté. Tout autant que il a monté, l'a monté, m'a quitté le monté. Puis devant moi, il vient avec pion, ça y aurait les doji pour me dire qu'il est que il pral changer direction. Pour me montrer qu'il est que il pral changer direction depuis avant que li vin croiser ligne rouge là ou pral déjà connaît que li pral croiser pour qui ça là sou suivre là bon doji là qui vin paraître là y aurait les gravestone doji ça li indique li dou hey mon ami marché après changer direction li là pour prendre profit pour sortir li indique ça. Et l'aile de dou ça, li dou li le pou pran profou pou sorti nan trade la, si toutefois pa fèl, ou kapab constater sa rap passe, li descend, al le di, li te dou ça, li te annonce pou te kapab sorti la dan. Et là, li fè tentative li monte, li fin retourne monte la, li pa kapab rete encore, li descend encore. Li retourne descend, ça arrive très souvent. C'est peut-être ça. Dit que marché après changer de direction, on aura besoin de confirmation. On va aller montrer tout bagaille ça au devant qui l'ordre doit une confirmation. Les fin jour il va descendre, il doit confirmer. Par exemple, il te dit là, par exemple, ou est là, sous regarder là, ou est un bearish candle là, candlestick, non bearish candlestick ça après ou vin ouyon doji là, les deux marchés après le changer de direction et le lendemain où elle commence à faire là de ce fait qui s'est passé, les deux où elle va changer de direction, elle change de direction vraiment. Mais ça qui est extrêmement important pour nous, c'est MACD. Dans le passé, nous avons fait une pile analyse pour que moi capable acheter ces derniers temps, moi capable dire que
suis capable plus basé sur Mac Dian pour que je sois capable de connaître qui est pour m'entrer dans le trade là, avec qui est pour que je sois capable de sortir dans le trade là.